pourquoi vous êtes là. Parce qu'au début, on s'est dit, on va monter un syndicat, il faut qu'on leur dise que ça va pas. Et quand j'ai dit vendredi. Doucement là. mais là, on voulait vraiment vous remercier pour votre persévérance. L'école du vendredi, elle allait. Je peux dire qu'elle allait s'arrêter, il fut un temps. Mais comme on a vu la prédication ce matin, juste à l'instant, juste encore une année, Seigneur. Juste encore une année. Les ouvriers vont arriver. Oui. Et donc du coup, vous avez prié, vous avez persévéré, vous avez tenu bon, même s'il y avait des absents, beaucoup d'enfants, ça vient pas, on fait pas. Mais derrière tout ça, ce sont des générations que vous êtes en train d'impacter. Ce sont vraiment des enfants qui ont un avenir en Christ. Et l'école du vendredi, ça les prépare à Jpenier, ça leur apprend. Au vendredi, ce n'est pas boîte de nuit. Moi, au vendredi, c'est je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les habitudes se prennent très tôt. Et grâce à vous, par vos sacrifices, parce que vous avez vous-même vos enfants, vous habitez très loin. Le vendredi, on peut l'utiliser pour se reposer, mais vous avez décidé de faire la route avec tous vos enfants et tenir l'école du vendredi. Alors, c'est humblement que nous tous, qui sommes là, maman aimée, maman jolie, qui aussi était là depuis le début, elles ont vu votre persévérance, et nous qui sommes arrivés après, ben, on vous dit merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Elle s'est battue fort avec vous tous. Elle s'est vraiment battue fort avec vous tous. Mais je pense que le plus important, c'est vous faire une confidence. Ce matin, quand je suis arrivé, le pasteur m'a dit, il y a eu, non, c'est le frère Boutombo qui m'a dit qu'il y a eu une inondation. Et ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'on a accusé un enfant. On a dit c'est un enfant, on n'a pas vu, mais on suppose que c'est un enfant. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas un enfant, je ne sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas juste l'œuvre d'un enfant. Mais ce n'est pas la première fois qu'on accuse un enfant. Et ça m'a fait mal au cœur. Et là, je me suis rendu compte que le Seigneur ne s'est pas trompé de ministère. Parce que les enfants sont sans défense. On va dire c'est un enfant, et puis ben, on va dire c'est un enfant. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas surveiller nos enfants. Je ne suis pas en train de les excuser. On sait que les enfants font des choses. Mais je me suis dit merci Seigneur pour l'école du vendredi, pour l'école du dimanche, pour les professeurs. C'est notre rôle que ces enfants-là aient une voix et quelqu'un qui les défend. Moi, je veux vraiment qu'on prenne ça à cœur et qu'on... Et je sais qu'à chaque fois qu'on vient là, la motivation première, ce soit eux. Qu'ils ne se retrouvent pas sans un adulte pour les attendre, sans quelqu'un pour être là pour eux. Parfois, les parents, surtout les nouveaux parents, quand ils arrivent, sont débordés. Ils en ont là. Et nous, on est là pour les garder. C'est eux les motivations. C'est vraiment eux la motivation. Les voir grandir, les voir évoluer, les voir dans le Seigneur, cette future génération, c'est vraiment la motivation. Et merci à vous tous. Merci, super prof. Merci, Seigneur. Non, vous ouvrez les cadeaux, mais sans caméra.